Nous saluons les peuples haïtiens. Les peuples haïtiens qui vivent une situation difficile, en bas insécurité. Et nous tous qui là nous connaissons, PHTK fait 10 ans sous moi. PHTK, Michel Martelly, Laurent Lamotte, Jovenel Moïse, Mati Moïse, même Lobeyo, et pendant 10 ans ça, ils ont crasé tout le monde. Vous mettez gang dans tout le pays. Vous crasez toute institution pays. Vous volez tout le pays et vous augmentez la misère peuple. Nous saluons le peuple qui vit une situation difficile. De même gens, nous demandons pour un changement dans la tête de la police là. Parce que Claire, Léon Charles, pas capable de prendre responsabilité. Et bien, je dis, nous demandons un nouveau commandement dans la tête de la police là pour prendre responsabilité pour le peuple la sécurité. Nous ne sommes pas attachés avec personne, nous sommes attachés seulement avec le peuple. C'est le peuple qui bosse nous. Tout ça que le peuple a voulu, tout ça qui n'a intérêt le peuple là, eh bien c'est la sécurité démocratique et populaire. Depuis 11 septembre 2021, nous signons un accord politique avec Ariel Henry. À quoi ça a des revendications du peuple là-dedans? Il y a une conférence nationale là-dedans, il y a une libération prisonnier politique, il y a un gouvernement consensus, il y a une sécurité pour le peuple là, il y a une bataille contre la corruption, il y a toute revendication du peuple là-dedans. On dit à un moment arrivé pour Ariel Henry dégager le gouvernement Jean-Jacques pour le mettre à quoi ça en application. Nous pas amis. Ariel Henry. Léon Sion a quoi avec le monde, on n'a pas un million. Moi, songe, 16 décembre 1990, peuple haïtien te mette Jean-Bertrand Aristide président. Jean-Bertrand Aristide monte président 7 février 1991. 30 septembre 1991, après 7 mois, la Médaïti, Michel François, Raoul Cédras, Toto Constant, nous baillons Jean-Bertrand Aristide pour l'État. Nous baillons Jean-Bertrand Aristide pour l'État. Et bon, vous m'oubliez, Matéli est dans l'État. Michel Matéli est dans l'État. Et le coup d'État fait, Michel François, Raoul Cédras, ils ont tué plus de 10 000 militants de la Panas. 10 000 partisans Jean-Bertrand Aristide qui t'a promené dans le pays. Ils ont exilé tout le monde là-dedans. Ils ont manqué tout Jean-Bertrand Aristide pour l'État. 30 août 1993, Jean-Bertrand Aristide mettait Canson dans le pays, lui signait un accord politique avec la Ousse de l'Asse. Accord gouverneur Zahir. C'est à quoi ça qui fait Jean-Bertrand Aristide pour l'État? C'est à quoi ça qui fait la Valasse retourner sur le pays? Là aussi, on a accord avec le monde, c'est parce que c'est adversaire. Jean-Bertrand Aristide, pas jamais lié que c'est de race qui débat le coup d'État. Jean-Bertrand Aristide, pas jamais lié quantité de partisans la Valasse, Michel François, Raoul Cédras, qui est massacré, assassiné. Mais Jean-Bertrand Aristide, s'il y a un accord politique là, parce que là aussi, on a accord, et pas avec 100 millions aussi, on a accord politique. Je dis, secteur démocratique et populaire qui était là, c'est lui qui est là aujourd'hui et c'est lui qui a toujours là demain. Secteur démocratique et populaire a toujours été attaché avec l'éducation. Nous demandons à Ariel Henry pour prendre responsabilité de ce pressé pour le mettre à corps 11 septembre 2021 en application. Nous demandons pour le monter le gouvernement consensus. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas le peuple à mentir. Notre transparence. Le gouvernement qui l'a, le secteur démocratique l'a pas la donne. Mais grand pile leader politique, grand pile parti politique qui l'a donne. Grand pile monde dans la société civile qui l'a donne. Il n'y a pas jamais petit peuple qui l'a donne. Nous-mêmes, Ariel Henry, nous avons un gouvernement pour le monter. Et nous clés sur ça. Depuis son gouvernement, PHTK, Martin Moïse, Michel Maté, depuis son gouvernement, qui gagne? Moun qui te volait quoi Petro-Caribé,
monde qui était massacré population la Saline, n'ont pas participé dans aucun gouvernement PHTK, Martin Moïse, Michel Martelly, Laurent Laborde a donné. Parce que nous ne pas bailler là pour se foutre dans le dos. Nous ne pas jamais driver. Nous connaissons les gens. Les tractations qui ont fait pour monter le gouvernement. Il y a des gens qui ont consulté. Il y a des gens qui ont dit qu'ils parlent dans tel poste. Eh bien, les gens nous ont rejeté parce que nous connaissons. C'est Martin Moïse, c'est Laurent Lamotte, c'est Martelly et c'est écrasé le pays avant. C'est très démocratique et populaire à pas bailler. C'est très démocratique et populaire à la transparence. Et si c'est très démocratique là, sentir le confortable pour participer dans le gouvernement, nous avons parlé de tête dans la radio, nous avons dit pas qu'on est. Nous avons dit peuple là, oui, nous dans le gouvernement, mais il dit quoi qui revient. Il y a des gens qui mettent ministre dans le gouvernement qui l'a en cachette. Mais ils posent des questions, ils ont tiré l'angle, blablabla. Secteur démocratique là, nous pas nous mentir avec le peuple là. Depuis nous rentrons dans le gouvernement, notre peuple là, nous dans le gouvernement, mais qui nous dit là dedans. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans aucun gouvernement qui va bloquer pour ces pétro-caribés, qui va bloquer pour ces massacres salés. Nous ne pouvons pas rentrer dans aucun gouvernement, Laurent Lamotte, Michel Martelly, Martin Moïse, à gouverner, à diriger, à dominer. Nous clés sur ça, même Jean Tour. Il y a des gens qui raillent le secteur démocratique et populaire. Qui peut attaquer dans la radio matin, midi, soir, parce qu'il y a un accord politique, pour des besoins du secteur démocratique, si y a un accord pour nous mettre le peuple dans la rue, pour nous porter le pouvoir. Non, ce n'est pas possible. Moins jeune, c'est vrai, moins jeune relativement, même j'ai une expérience politique. 2001, 2002, 2003, 2004, j'étais dans la rue, j'étais sous béton comme jeune militant politique. Transition 2004-2006 là, eh bien, c'est oligarchie. C'est à peine qui prend 10 ans de franchise. Je dis, après le PDR, il faut que les gens, côté accord politique, même si, pour côté pouvoir balancer, voilà la vérité. Alors, on a continué la bataille pour le PDR. La bataille pour l'application accord, mais on a payé à rien. N'a pas surveillé, monsieur. N'a pas suivi. Et n'a pas pris responsabilité. Dans le moment où nous prenons responsabilité. Et nous ne pas prétendre pour nous tourner droit. Nous ne pas prétendre pour nous tourner droit. Nous ne pas dans aucun gouvernement. Martelly, Martin Moïse, Laurent Lamotte a dominé. Nous n'avons aucun gouvernement avec Ariel Henry qui a empêché pour ces pétro-caribés, pour ces massacres la Saline. Fait, mais nous ne pouvons pas signer un accord pour nous de pouvoir par la paix encore. Parce que 2001, 2002, 2003, 2004, les petits mouns ont été fermes, nous disons grand monde, nous ne pouvons pas faire encore. Voilà la vérité. Sénateur Ricard Pierre va présenter la résolution qui sortit pour l'assemblement aujourd'hui. On est déplacement dans le pays, ça je vous dis à là, c'est pas bagaille qui facile. Et l'homme déplacé, vous sortez sur leur tournée. Famille, on prend leur tournée. Parce que d'après constat, que dirigeants secteur démocratique qui sortent dans 10 départements pays, sortent faire ensemble avec nous là, nous-mêmes, directoire national. Constat a montré. 2 mois, 7 jours après signature accord 11 septembre. Non. Quand nous continuons à faire la loi dans le pays. 2 mois, 7 jours après signature accord 11 septembre. Non. Un gros parti dans le territoire du pays pas sous contrôle autorité pays, mais sous contrôle chef gang. 2 mois, 7 jours après signature accord 11 septembre, non. Il y a un paquet d'examens dans le pays, dans les mains des gens qui n'ont pas d'autorité pour ça, qui n'ont pas supposé qu'il y ait un gros examen dans les mains. 2 mois, 7 jours après signature accord, ça,
gang yo te supposé en situation que ou pas nuit population encore, et bien gang yo continue à faire la loi. Et ceci malgré effort que nous avons police nationale là, à travers son nouveau directeur, M. LB, a fait. Et nous féliciter M. LB ensemble avec chaque policier qui a consenti sacrifice pour notre calme sécurité dans le pays. Deux mois, sept jours après l'accord 11 septembre fin signé, nous avons grand goût installé le pirate. Misère installé le pirate, la caille presque chaque famille en dans le pays, au lieu pour nous commencer à jouer, nous soulagement dans la condition de la vie. Prix produit, première nécessité a augmenté sans garder d'air. Pendant deux mois, sept jours, si tu as fait ça, malheureusement, si vous avez une machine, arriver à acheter un gallon de gaz, $500, $600, et je dis encore, malgré l'effort qui fait pour gagner le gaz qui est distribué dans le pompio, il semble qu'on pompe le gaz qui a continué contre le pays, le gaz n'a pas disponible pour malheureusement acheter dans le prix normal que l'État a fixé pour ça. Deux mois, sept jours, après signature accord 11 septembre, non, nous, l'administration publique pays, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau départemental, communal, local, l'administration s'est arrêtée sous contrôle pour cette famille politique qui est PHTK avec Jovenel Moïse. Pas gagné aucun changement qui fait. Même les gens qui ont proposé le royaume, même les gens qui ont fait gâchis entre l'administration publique haïtienne, c'est même nous. Est-ce que c'est un hasard? Question ça n'a quitté le peuple à répondre. Peut-être qui ça, deux mois, sept jours, après l'accord 11 septembre, dans fin signé, qui baille le Premier ministre Ariel pour certaine légitimité, parce qu'il n'y a pas rien du tout. Deux mois, sept jours, après l'accord de légitimité, ça, eh bien, rien n'a pas changé. La situation du pays a pratiquement été les mêmes gens, et puis l'administration publique sous contrôle PHTK et alliés. Face à constat ça, que dirigeants nous sont fait là, ils ont fait nous des recommandations pour permettre de débloquer la situation. Ça. Nous ne pouvons pas lire toute résolution qui sortit de rencontre nationale, ça nous fait là aujourd'hui. Une rencontre nationale qui permet de nous réunir près de 400 à 450 personnes. J'en ai annoncé là. 400 à 450 délégués, plus camarades qui sont dans la diaspora, qui viennent là ensemble avec nous. Gagné 6 gros points qui sont dans la résolution que le Conseil national a adopté. Délégués ont dit c'est pour nous consulter toute qualité secteur dans la vie nationale là, pour nous capables d'offrir le pays à l'exécutif. Qui est capable de répondre à l'aspiration du peuple et qui est capable de mettre fin définitivement à la crise qui a commencé sous Jovenel et qui a continué sous Jovenel. Délégués ont dit nous, c'est pour nous entamer des marches et nous prenons entamer des marches auprès de tout secteur en dans le pays pour avant le 2e lundi janvier, avant 7 février 2022, pour nous capables de bailler le pays à nous exécutif qui est capable d'adresser véritables problèmes qui gagnent, problèmes qui constituent fondamentaux de secteur démocratique qui a goumé sous eux dans la rue, mais de toute qualité goumé pendant 4 ans qui sont passés là. Délégués ont dit nous, c'est pour nous engager avec toute force vivante dans le pays à un dialogue national sur la question de la sécurité. Pour tirer force à nous, la police a commencé à faire avec le directeur LBA pour ne pas tout nous dire pas, mais définitivement pour le pays à vivre une ambiance de sécurité, pour les gens qui ont vaqué à l'occupation, pour les malheureux qui ont vendu dans le marché sans qu'ils sautent, sans pas que les gens qui ont rationné ou qui ont faire recette à examen. Les délégués ont dit nous, c'est pour nous faire tête nos missions pour nous capables. Utiliser tout moyen légal et constitutionnel qui est à disposition nous
pour permettre nous arriver à créer une situation qui a tant de pays qui fonctionnent normalement, un pays côté droit, chaque monde respecté. Délégué au bon nous mandat. Et ça, c'est le point fort, parce que c'est bagaille qui va disposer pour l'avenir. Parce que il y a deux moments pour nous distinguer dans la bataille politique. Il y a un moment aujourd'hui là, côté la bataille pour pays à gagner une transition qui est au service de la majorité de la population, au service de peuple là. Mais pour cette transition qui est au service de Matéli, Jovenel, la famille politique. Ça, c'est la première bataille. Bataille pour un exécutif, la composition pour les gens qui l'ont, ce n'est pas des gens qui viennent faire obstacle à vos services de Caribe, ce n'est pas des gens qui viennent faire obstacle à vos paquets de massacres, ce n'est pas des gens qui viennent empêcher Nettie de justice, ce n'est pas des gens qui viennent empêcher Diego de justice, ce n'est pas des gens qui viennent empêcher Maître Val de justice, ce n'est pas des gens qui viennent empêcher Jordani que vous soyez assassiné dans les conditions de justice. Ça, c'est la première partie du travail que nous allons faire comme dirigeant secteur démocratique. Là. Mais deuxième partie, qui est plus essentielle, pour nous, demandez-nous pour nous réunir, famille politique noire, moun, parti politique, organisation politique et sociale qui semblent avec nous, pour nous constituer aux outils politiques qui est nécessaire pour mener le pays ça, à une bataille électorale qui a fini là, pour nous arriver à un pouvoir définitif qui sortit de la matrice peuple. Et nous prenons engagement devant le pays, nous prenons engagement devant les délégués qui vont nous taxer ça, pour nous-mêmes, notre directoire national là, pour nous mener le travail ça, jusqu'à ce que nous arrivions à la mise en place, à la constitution de ce grand pont qui est capable de porter l'aspiration du peuple et prendre pouvoir pour satisfaire les revendications populaires. Merci en fait.